Salut tout le monde, j'ai le soleil dans les yeux, il faut que je me décale un peu. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, le premier match du championnat, j'avais trop hâte. J'espère qu'on va gagner, Lens affronte Brest. Du coup, ça peut le faire, comme ça ne peut pas le faire. Là franchement, avec le nouveau mercato et tous les nouveaux joueurs, franchement, je sais pas à quoi m'attendre sur le championnat. Je sais que Lens ils vont faire une bonne saison, c'est obligé, on a une super équipe. Mais contre Brest ça va être chaud, surtout qu'en conférence le coach a dit que s'il fallait jouer bas, le coach de Brest, hein, s'il fallait jouer bas pour pas prendre de but, il le ferait. Du coup, bah, déjà ça c'est chiant. J'espère qu'ils vont pas le faire et que ça va être un beau match. J'espère qu'on va gagner. On se retrouve au stade et puis à tout de suite. Voilà, ça va être une routine, le petit Farmers maintenant. On a mis des piments, ça pique tes piments. Moi je lui ai dit de parler, il y en a plein à la bouche. Allez, fais voir. Il n'a pas eu de piment. Manger un piment là, il est vraiment pas bien. Non, 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 t'as dit que t'es pas bien. Pense en rien. Non, un piment. Un piment, prends un piment. Il était vraiment pas bien. Kenzo, il croit que c'était des cornichons. Du coup, là, on va tous prendre un piment pour voir si ça pique vraiment. On doit pas faire de tête. Un no-face challenge. Attends, tout le monde a son piment. 1, 2, 3. Tu peux voir? J'arrive pas, ça pique trop. Ils ont gagné, j'en peux plus, ça pique vraiment trop. Bon bah après s'être arraché la gueule au piment, on a été faire des petites photos là. Si j'ai les photos avant que je poste le vlog, je mettrai les résultats, sinon bah sur mon Insta comme d'habitude. Voilà, le go stade. En plus il y a déjà ouvert d'habitude une heure et demie avant, là il y a ouvert 2 heures avant. C'est bon, je rentre enfin dans le stade, je suis deck parce que bah, je suis toute seule, ils avaient des places en niveau 2 mais ils ont pas réussi à passer en niveau 0, ils vérifient trop maintenant. Du coup peut-être à la mi-temps ils vont me rejoindre. Bon du coup là où je suis maintenant, là, c'est un nouveau petit cop à ce qui paraît, du coup on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que j'y suis du coup, c'est la tribune où j'étais d'habitude mais là c'est la première fois que j'y suis et qu'ils ont créé le mini cop. On va voir ce que ça donne, ça va être un peu normalement. Allez, 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 allez
fait pas un mauvais match du tout. Des fois, je comprends pas trop l'arbitre. On gagne, c'est pas si mal. On verra en deuxième mi-temps ce que ça donne. Thank you.
J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai kiffé. En plus, bah, on gagne. Quoi de mieux que de commencer la saison par une victoire. Le stade est en ébullition. Je suis là outre chez moi parce que bah, mon téléphone, je crois qu'il faudra bientôt que je le change. Quand il est au soleil, l'écran se fige. Je sais pas pourquoi. Du coup, c'est un peu chiant pour filmer. Surtout que la de la cour, elle est en plein soleil en plus. Bref. En tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, partager, ça ferait super plaisir. Vous abonner si ce n'est pas fait. Et pour me suivre bah, tout au long de la saison, il y aura plusieurs déplacements. Mon plus gros déplacement, bah, ça sera Marseille. J'ai toujours voulu aller au Vélodrome voir un match Marseille-Lens. Du coup, cette année, normalement, c'est fait, je le fais. J'ai trop hâte. Il y aura plusieurs autres déplacements. Du coup, bah, n'hésitez pas à me suivre. En tout cas, je suis trop contente pour la victoire d'aujourd'hui. Malgré qu'on a gagné, il faut s'avouer que l'arbitrage, il était éclaté au sol. Mais bon, après, on est en France, c'est pas nouveau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je suis trop contente que Sotoka ait mis un triplé, c'est normal. Et puis, on aurait pu en mettre plein d'autres des buts. Il y a juste à la fin du match, j'avais un peu peur parce que Brest revenait bien. Revenait très bien, même on a failli s'en prendre. Du coup, je suis bien contente qu'ils ne sont pas revenus au score et qu'on prend les 3 points ce soir. Je suis trop contente. Enfin, cet après-midi plutôt. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu encore une fois, moi ça m'a super plu, genre ça se dit pas super plu mais j'ai trop kiffé, on se retrouve au prochain match.